sommes le 1er octobre 2019 sur la place Tiananmen. Le défilé du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine se déroule solennellement ici et les forces militaires de la République réformée et restructurée sont au centre de l'attention. Dans l'histoire de la Chine, les forces armées populaires ont formé un concert vaillant de la lutte contre les forces ennemies. Édifier un État puissant requiert une armée puissante. Seule une armée puissante peut assurer la sûreté de l'État. Un État puissant, doté d'une armée puissante, tel est l'objectif auquel travaillent inlassablement les communistes chinois. Depuis que le comité central, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, a pris le relais, la cause historique est la construction d'une armée puissante et dotée d'un sens plus large dans la nouvelle ère. Le 8 décembre 2012, Xi Jinping monte à bord du destroyer lance-missile Haikou pour commencer sa première tournée à Hainan en qualité de secrétaire général du comité central du PCC et de président de la commission militaire centrale. Trois mois plus tard, lors de la réunion plénière de la délégation de l'APL, à la première session de la 12e APN, Xi Jinping annonce solennellement l'édification d'une armée populaire fidèle au parti, apte au combat et dotée d'un style de travail exemplaire. Le 19e congrès du PCC clarifie l'objectif du parti concernant la montée en puissance de l'armée dans la nouvelle ère. Édifier une armée populaire fidèle au parti, apte au combat et dotée d'un style de travail exemplaire, et faire de cette armée une force de premier ordre du monde. Compte tenu des changements dans la situation stratégique internationale et l'environnement sécuritaire du pays, le comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, adopte une vision d'ensemble et élabore le plan stratégique de renforcement militaire de la nouvelle ère. Celui-ci consiste à définir l'objectif du centenaire de la fondation de l'APL. Adopter la nouvelle stratégie en trois étapes de la modernisation de la défense nationale et les forces armées. Élaborer la stratégie militaire de la nouvelle ère. Promouvoir l'édification de l'armée sur le plan politique. Le renforcement de l'armée grâce à la réforme, à l'innovation technico-scientifique et à la qualité des effectifs.
et l'administration des forces armées en vertu de la loi. Renforcer les entraînements militaires et la préparation au combat. Former des militaires révolutionnaires compétents, courageux, vertueux et dignes de la nouvelle ère. Forger une armée de fer, déterminée, dévouée, disciplinée et responsable. Avançant à pas de géant sur la voie du renforcement de l'armée à la chinoise, l'armée populaire applique en profondeur la pensée de Xi Jinping sur la montée en puissance de l'armée et accomplit avec résolution la mission et les tâches qui lui ont été confiées par le parti et le peuple dans la nouvelle ère. Le bourg de Gutian, dans les montagnes de l'ouest du Fujian, est témoin du nouveau départ de l'armée populaire. En automne 2014, l'APL est devant un nouveau tournant. Xi Jinping se rend à Gutian pour présider la conférence sur le travail politique de l'APL, à laquelle plus de 400 cadres dirigeants supérieurs de toute l'armée participent. Il dit, à l'occasion du 85e anniversaire de la tenue de la conférence de Gutian, nous revenons ici mener une réflexion profonde pour comprendre d'où et pourquoi nous étions partis. Lors de ses multiples visites de corps militaires, Xi Jinping souligne à plusieurs reprises que la direction absolue du PCC sur l'armée est le fondement et l'âme de l'armée populaire. Jamais cela ne sera changé ou oublié. Depuis le 18e congrès du PCC, l'assainissement politique se poursuit en profondeur. Des éléments corrompus comme Guo Boxiong, Xu Caiho, Feng Fenghui et Zhang Yang sont rapidement expulsés. L'armée populaire retrouve sa culture active et saine et ses belles traditions. Elle se développe désormais dans un climat politique nouveau. Le 19e congrès du PCC établit la direction absolue du parti sur l'armée populaire comme un principe fondamental pour la poursuite et le développement du socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère et inscrit l'application du système de pleine responsabilité du président de la commission militaire centrale dans les statuts du PCC. En août 2018, Xi Jinping avance explicitement lors de la réunion sur l'édification du PCC au sein de la Commission militaire centrale qu'il faut renforcer sur toute la ligne la direction et l'édification du parti dans l'APL de la nouvelle ère pour offrir une garantie politique solide au développement des nouvelles perspectives de la montée en puissance de l'armée populaire. C'est la détermination profonde qui permet à l'armée de toujours remporter des victoires. C'est la direction ferme qui lui donne cette force. L'APL veille à préserver résolument la position centrale du secrétaire général Xi Jinping au sein du comité central et du parti, ainsi que l'autorité et la direction centralisée et unifiée du comité central du parti et maintient un haut niveau de conscience idéologique, politique et dans l'action. 忠诚造就了人民军队对党的赤胆忠心，造就了人民军队和人民的雨水情谊，造就了人民军队为党和人民冲锋陷阵的坚定意志。 Le 20 avril 2016, quand Xi Jinping se présente dans le hall de commandement en uniforme militaire, l'opinion publique internationale remarque sa nouvelle identité, celle de commandant en chef du centre de commandement des opérations conjointes
de la Commission militaire centrale.我命令全军指战员要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手。 Portant les missions sur leurs épaules, les militaires sonnent la charge. Partout sur le sol chinois, en mer comme dans le ciel et dans le cyberespace, les entraînements militaires en situation réelle se réalisent en toute saison et par toutes conditions météorologiques et géographiques. Toute l'armée affiche un grand enthousiasme dans les manœuvres militaires qui se veulent proches de la réalité opérationnelle. À l'arrivée d'un nouveau trimestre d'entraînement, Xi Jinping formule de nouvelles exigences. Les entraînements militaires doivent se faire en stricte conformité avec les opérations réelles et les entraînements et opérations réelles doivent se renforcer mutuellement. Il faut bien appliquer la pensée et les principes stratégiques sur le travail militaire de la nouvelle ère, faire jouer le rôle des entraînements dans la préparation aux guerres éventuelles et en assurer pleinement la responsabilité. Dans le golfe de Bohai, le chef adjoint de l'état-major d'une brigade de l'aviation de l'armée de l'air, Yao Kai, décolle encore une fois vers le soleil qui se lève. La troupe dans laquelle se trouve Yao Kai avait créé un miracle de l'histoire des combats aériens en tenant tête aux forces aériennes avancées des États-Unis lors de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Aujourd'hui encore, cette troupe héroïque relève toujours les défis dans cet esprit indomptable.是这样一步一步走过来的，有了先进的飞机、防空武器，更要有压倒敌人、不惧一切强敌的这种英勇气概，这才是我们强军的魂。都很棒，都很棒。 Les multiples entraînements militaires ont pour but de prévenir les guerres. Depuis le 18e congrès du PCC,
face aux situations intérieures et extérieures complexes et à la lourde mission de se préparer militairement pour les combats, l'APL veille à renforcer globalement ses aptitudes au combat dans la nouvelle ère pour défendre fermement la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays avec une volonté de fer, des stratégies souples et des opérations fortes. Un grand nombre d'unités et d'individus se distinguent durant ce processus par leur exemplarité. C'est une déclaration de paix. C'est un ordre de la réforme d'une armée prête à lancer une nouvelle marche. En automne de l'année 2013, le troisième plénum du 18e congrès du PCC prend des dispositions générales pour approfondir les réformes sur tous les plans et décide d'inclure l'approfondissement des réformes de la défense nationale et de l'armée dans les dispositions d'ensemble de l'approfondissement global des réformes. Le 24 novembre 2015, la Commission militaire centrale convoque une réunion sur la réforme à l'hôtel Jingxi. Xi Jinping dirige en personne cette bataille en assumant les responsabilités à la tête du groupe dirigeant de la Commission militaire centrale pour l'approfondissement des réformes de la défense nationale et de l'armée. Refonder le système de direction et de commandement, optimiser la structure et la composition des forces et promouvoir la réforme du système des politiques militaires. Les plans des réformes méthodiques et soigneusement réfléchis sont mis en œuvre à pas sûr. En quelques années, un nouveau schéma s'est établi dans lequel la Commission militaire centrale assure la direction centralisée et unifiée. Les zones de commandement se chargent des opérations militaires et les différentes forces armées se consacrent à leur propre édification. La structure organisationnelle de l'armée populaire est refondée dans son ensemble et des progrès historiques sont réalisés dans la construction d'un système des forces militaires à la chinoise. L'APL est désormais dotée d'un nouveau système, d'une nouvelle structure, d'un nouveau schéma et d'une nouvelle physionomie. Cette réforme met en relief la fidélité de tous les officiers et soldats de l'APL envers le parti et le peuple. Cette troupe est la brigade d'infanterie de réserve du 82e groupe d'armée redéployé dans les réformes de son ancienne garnison qui se situe au centre du pays.面对编制调整和移防，打起背包就出发。当时啊，很多同志给我讲，最后望一眼老营区啊，那一幕终生难忘。舍不得，确实舍不得。但是我们铁军旅的官兵坚决听从指挥，始终秉承铁心跟党组的政治信念，一声令下立即出动。 Il faut réagir immédiatement aux ordres de redéploiement et appliquer sans tarder les réformes. Le changement de garnison et de nom de code ne peut jamais affecter la loyauté et l'engagement initial des militaires. Ainsi, des dizaines de troupes se sont mises en route pour leur nouvelle garnison.
Des centaines de généraux arrivent à leur nouveau poste le jour même où ils reçoivent l'ordre. Un grand nombre d'officiers quittent l'armée sur ordre et rendent le dernier hommage au drapeau de l'APL, les larmes aux yeux. Les militaires chinois suivront toujours les instructions du parti. Yong Gun-se est le premier héros de classe exceptionnelle de l'armée des volontaires du peuple chinois. En octobre 2020, 70 ans après sa mort, son ancien compagnon d'armes, Yong De-sheng, retourne dans leur ancienne compagnie pour regarder les nouveaux équipements. Ce que Yong De-sheng a vu n'est qu'une partie des équipements modernes de l'armée. L'APL d'aujourd'hui a réalisé un développement historique en termes d'équipement et s'est frayé une voie de développement d'armes et d'équipements aux caractéristiques chinoises. Les armes et équipements modernes sont à maîtriser par des militaires modernes. La stratégie de la montée en puissance de l'armée, grâce à la formation des effectifs, est appliquée globalement en s'appuyant sur les établissements d'enseignement militaire et les bases d'entraînement dans la préparation des soldats au combat. La construction du système légal dans la défense nationale et l'armée se renforce sans cesse. L'exercice du pouvoir est bien circonscrit. La conviction et la mentalité légale des officiers et soldats s'approfondissent progressivement. La refonte de l'armée populaire donne des fruits encourageants. La veille de la fête du printemps de 2020, les 450 membres de la première équipe médicale de l'APL volent au secours de Wuhan. Ils font le maximum d'efforts pour soigner les patients et travaillent sans relâche à trouver de meilleurs remèdes. Les deuxième et troisième équipes médicales sont aussi en route. Les plus de 4000 professionnels de santé de l'APL réagissent immédiatement aux ordres du comité central du PCC et assument tout de suite leurs responsabilités. Avec leurs convictions fermes, capacités excellentes, style de travail exemplaire et dévouement désintéressé, ils accomplissent à merveille leurs tâches et font honneur au parti et à l'armée. Ils
Ils ont courageusement affronté le virus et se sont retirés discrètement après avoir gagné la bataille. Cette armée populaire est une armée héroïque sur laquelle le parti et le peuple peuvent entièrement compter. Les pieds sur le sol de la patrie. L'espoir de la nation sur les épaules. L'armée populaire, fondée et dirigée par le parti, se transforme progressivement en une armée de premier ordre dans le monde et avance de victoire en victoire.每一天都有奋斗牺牲。